Voilà, bonjour. Nous sommes vraiment infiniment ravis de nous retrouver, pour la plupart d'entre nous, pendant 3 demi-journées. On est en même temps un petit peu navré de cette journée qui tombe sur une grève nationale. On a refusé près de 200 personnes, mais au dernier moment, beaucoup de contraintes, de déplacements, sachant que tous ceux qui n'ont pas pu venir nous ont informés, mais depuis 48 heures... On avait mis une liste d'attente, et cette liste d'attente, on ne peut pas se libérer de ces charges professionnelles quand on a été refoulé il y a 2 mois de ça, au moment des inscriptions. Donc, écoutez, on aura un petit peu plus de place. Voilà. Bienvenue, et nous démarrons tout de suite avec la présentation de cette journée par Agnès Fleurin, qui est présidente de l'association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà, bienvenue. Merci Agnès. Merci Robert. Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, en ce 10e anniversaire de la promulgation de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, j'ai le plaisir d'ouvrir ce colloque intitulé « Handicap de l'enfant et de l'adolescent, psychologie, évaluation et MDPH ». C'est une étape importante dans la démarche de recherche-action conduite depuis 2 ans sur l'élaboration et les pratiques d'évaluation psychologique d'enfants en situation de handicap, les attentes et les représentations des équipes d'évaluation MDPH, la transmission et l'utilisation des données psychologiques, avec les problèmes éthiques que cela peut poser. Le processus de recherche-action se terminera d'ici quelques mois avec la remise du rapport terminal et la publication des résultats définitifs. Suivront aussi diverses actions de communication dans différents lieux, y compris dans des revues scientifiques, et bien d'autres formes. Ce colloque est donc organisé par la PPEA, l'Association francophone de psychologie et psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en partenariat avec la MAIF et avec la MGEN, qui a bien voulu nous accueillir dans ses locaux pour ces 2 journées. Nous tenons à remercier sincèrement nos partenaires qui ont accompagné et soutenu la démarche, ainsi que les nombreux acteurs, je ne vais pas les citer, et qui ont œuvré avec les 2 psychologues chefs de projet, Léonard Van Etzel et Robert Voyazopoulos, pour la qualité et l'ampleur du travail réalisé depuis le début de cette recherche-action sur le volet psychologique du GEVA concernant les enfants et les adolescents. Ce GEVA des personnes handicapées est la référence réglementaire depuis 2008 pour les équipes pluridisciplinaires des MDPH pour rendre compte de ce que la personne peut ou sait faire et de ce que son environnement, environnement familial, environnement scolaire, environnement social au sens large, lui permet ou au contraire l'empêche de réaliser. Quels sont les apports de l'information psychologique dans l'évaluation globale du développement et du fonctionnement de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap? Comment cette information est-elle communiquée? Existe-t-il des variations de pratiques selon les territoires, voire des inégalités? Quelles sont les attentes des différents acteurs qui ont à évaluer et à répondre aux besoins de compensation des enfants et des adolescents pour accompagner au mieux leur développement, quelles que soient les contraintes qui pèsent sur ce développement? Ce sont là quelques-unes des questions qui seront débattues pendant ces 2 jours à la lumière des résultats de la recherche-action et aussi, bien sûr, des expériences des différents partenaires institutionnels, associatifs, professionnels. Je laisse maintenant la parole à Tiphaine Mahé, qui intervient au nom de la CNSA et la direction de la compensation. Merci.
Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis donc chargée de mission à la direction de la compensation de la CNSA. Je suis moi sociologue de formation et j'accompagne à la direction de la compensation, j'accompagne notamment les MDPH dans leur pratique professionnelle. Donc moi, je vais un peu essayer de vous éclairer sur ce qu'est la CNSA. Tout le monde ne connaît peut-être pas encore très bien ses rôles et ses missions. Alors la CNSA, et je ne sais pas où j'appuie pour... la CNSA donc, est un établissement public qui a été créé par la loi du 30 juin 2004, donc suite, grosso modo, hein, à la canicule de 2003 et au lundi de Pentecôte. Et alors, ces missions ont été renforcées par la loi du 11 février 2005. La CNSA est justement chargée de participer au financement de l'aide à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, de garantir aussi l'égalité de traitement et d'assurer une mission d'expertise, d'information et d'animation. Mais elle a aussi comme mission d'encourager la recherche et les actions innovantes. Au travers donc, de ces missions, on voit bien, même si ça s'appelle Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qu'il s'agit d'une caisse et d'une agence, et qu'elle a aussi un statut d'établissement public administratif. Elle est dirigée par un directeur, alors actuellement une directrice, un conseil, et elle dispose aussi d'un conseil scientifique. La CNSA a aussi des missions un peu plus spécifiques autour de l'évaluation, la problématique de l'évaluation des besoins de compensation, le sujet un petit peu phare de cette journée et demie. En l'occurrence, elle est chargée d'assurer un rôle d'expertise technique, un rôle de proposition pour des référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie, mais aussi pour proposer des méthodes, des outils utilisés pour apprécier ces besoins individuels de compensation. Elle a un rôle par rapport à cette problématique d'assurer un échange d'expériences et d'informations, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et donc de veiller à l'équité de traitement des demandes de compensation. Et alors ces missions-là sont un peu plus à destination des MDPH. Les MDPH, les maisons départementales pour personnes handicapées, nous les accompagnons, nous n'avons pas de relation hiérarchique avec les MDPH. Les MDPH, elles existent, il y en a une dans chacun des départements, alors que la CNSA, elle n'existe qu'au niveau national. Elle n'a pas d'antenne au niveau ni départemental ni régional. L'objectif de cet accompagnement, eh bien, c'est d'assurer ce dont on parlait tout à l'heure, l'équité de traitement. L'équité de traitement des demandes de compensation sur l'ensemble du territoire. Pour cela, nous mobilisons un certain nombre de leviers qui sont donc les suivants. Non seulement, d'une part, un concours financier qui est versé donc aux conseils généraux pour le fonctionnement des MDPH, et ceci est subordonné à la conclusion d'une convention d'appui à la qualité de service que nous renouvelons à peu près tous les 3-4 ans. Et d'autre part, au travers d'échanges d'expériences, de pratiques, d'échanges d'informations entre les MDPH. Et alors ça, on y parvient aussi, notamment en construisant, ou je devrais dire en co-construisant, des outils, des méthodes, des référentiels, comme par exemple la co-construction d'un guide sur les troubles 10, que vous avez d'ailleurs dans vos petites mallettes, ou alors les cahiers pédagogiques sur le GEVA, la démarche de GEVA compatibilité, que vous avez également dans vos petites mallettes, mais aussi au travers de la création du GEVA, le guide d'évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées. Je reviendrai justement à la fin sur ce qu'il en est un petit peu plus précisément de ce fameux GEVA. Mais alors, pour accompagner aussi les MDPH, nous mobilisons un autre levier, le financement de projets innovants. Effectivement, la CNSA déploie une politique de soutien financier
qui a comme objectif d'améliorer, de développer les réponses en matière d'accompagnement de l'autonomie des personnes. Alors, dans notre jargon à nous, ça s'appelle la section 5, c'est une section budgétaire de la CNSA qui est dédiée au financement de projets innovants. Projets innovants, c'est tout aussi bien de la recherche, des études, de la recherche-action, mais aussi des projets d'expérimentation, de création d'outils. Voilà, c'est très diversifié. Et l'idée de cette politique de soutien, c'est de constituer un outil pour expérimenter, pour éclairer, pour sensibiliser, améliorer la connaissance, quelle qu'elle soit, d'améliorer aussi les pratiques professionnelles, par exemple. Alors, depuis 2006, parce que c'est à partir de 2006 qu'elle a surtout été déployée, nous avons donc déjà financé un certain nombre de travaux axés sur ces pratiques d'évaluation et des besoins des personnes et des travaux axés aussi donc, sur l'appropriation du GEVA pour viser une meilleure utilisation, une meilleure compréhension, notamment une meilleure compréhension par les MDPH elles-mêmes, mais aussi par leurs partenaires qui accompagnent ou qui interviennent auprès de personnes handicapées. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons cofinancé, accepté le cofinancement du projet proposé par la PPEA, qui souhaitait justement investir ce champ de la problématique de l'évaluation des besoins, de la transmission d'informations entre partenaires, et donc de la coopération entre MDPH et leurs partenaires. Alors, si je fais un petit focus pour terminer, un petit focus sur ce fameux GEVA. C'est un outil qui est devenu donc depuis 2008 l'outil de référence nationale pour les équipes pluridisciplinaires des MDPH. Alors après, c'est pas parce que c'est l'outil réglementaire pour les équipes pluridisciplinaires des MDPH que les partenaires n'ont pas à en prendre connaissance. Bien au contraire, c'est en se l'appropriant tous qu'on arrivera davantage à mieux l'utiliser et donc à mieux étudier les situations individuelles, identifier les besoins de compensation pour proposer des réponses de compensation plus ajustées. Cet outil repose sur la définition du handicap, telle qu'elle est énoncée dans la loi du 11 février 2005, et donc inspirée de la classification internationale du fonctionnement de la santé et du handicap, qui a été adopté par l'OMS en 2001. Qu'est-ce que c'est ? C'est un support de recueil de données, un support de recueil d'informations, mais alors d'informations pertinentes, j'ai envie de dire, parce que effectivement, les MDPH reçoivent un certain nombre d'informations. Le souci, c'est que parfois, les informations ne sont pas forcément pertinentes pour l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation, tel que défini dans la loi de 2005, et qui rentre dans qui est le champ de compétences des MDPH. Donc c'est un support de recueil de données pour l'évaluation des situations et des besoins des personnes handicapées en vue de ce fameux plan de personnalisé de compensation. Du fait d'être basé sur la définition du handicap, il constitue c'est le support d'un langage commun qui permet d'avoir en fait le même vocabulaire autour de la notion de handicap, autour aussi de la description, de l'évaluation des besoins des personnes. Et de ce fait, c'est également un support au dialogue et à la coopération entre l'ensemble des partenaires qui accompagnent ou qui interviennent auprès de la personne handicapée à différents moments du parcours. Alors, le GEVA, on a l'habitude de le schématiser, enfin de le représenter de cette façon, une marguerite avec différents pétales, mais à savoir aussi que le GEVA, ça n'est pas donc un guide, ce n'est pas un questionnaire, ce n'est pas non plus à utiliser de la première page à la dernière page, ce n'est pas l'outil d'un seul professionnel,
Mais l'idée, c'est bien de venir croiser un peu toutes les informations et de traduire les informations que l'on reçoit en fonction de son propre champ de compétences et de connaissances, de sa formation. Les différents pétales de cette marguerite donc, représentent, illustrent un peu l'ensemble des dimensions d'une situation individuelle et permettent d'identifier les différents facteurs, les facteurs personnels, les facteurs environnementaux, qui peuvent avoir un impact sur la réalisation d'activités, sur les capacités fonctionnelles. En fait, ça peut avoir un impact. Ces facteurs-là sont susceptibles de venir davantage analyser l'ensemble de la situation. Alors, si certaines informations, comme les informations, par exemple, d'ordre médical ou d'ordre psychologique, sont peut-être à renseigner dans un des volets du GEVA, mine de rien, ces informations-là, elles doivent aussi et surtout contribuer à venir éclairer l'ensemble de la situation individuelle, et doit venir éclairer justement les activités, les capacités fonctionnelles réalisées par la personne. Les activités réalisées par la personne. Ce n'est pas juste à plaquer dans un volet et après on passe à l'autre volet. Non, l'ensemble des informations qui sont transmises à la MDPH doivent permettre de savoir voilà, si la personne réalise, ne réalise pas telle ou telle activité, et puis surtout de savoir pour quelles raisons elle réalise ces activités ou ne peut pas les réaliser, quels sont les obstacles et les facilitateurs. Et c'est en cela, par exemple, que les informations d'ordre psychologique peuvent jouer un rôle fondamental dans l'éclairage, dans l'analyse d'une situation. Et donc, si ces informations, par exemple, psychologiques viennent renseigner un peu le volet psychologique, le volet 5 du GEVA, à savoir que ce n'est pas le volet psy, mais le volet psychologique, ces informations-là doivent venir aussi éclairer l'analyse que l'on fera dans le cadre, par exemple, du volet 6, et puis aussi du volet 8, qui est une synthèse. Voilà, tout ceci pour vous dire que les informations, quelles qu'elles soient, qui sont transmises au MDPH, hein, doivent être celles qui leur permettent au MDPH d'analyser la situation individuelle, d'identifier des besoins de compensation tels que définis dans la loi, en vue d'élaborer un plan personnalisé de compensation. Et donc pour ceci, pour permettre cela, eh bien, il est fondamental de mieux se connaître ensemble, enfin l'ensemble des partenaires qui sont concernés par l'accompagnement ou, d'une personne handicapée, mieux se connaître et donc mieux coopérer. Je laisse la parole au suivant. Merci.